Ah, je vous ai vu tout à l'heure là. Ouais. Oui. Nous on est en voiture, on est en vélo. Ah, mais vous faites le tour, moi c'est plus agréable en, ça en vélo. Ça devait être trop chaud, trop chaud. Ouais. Ouais. C'est un peu chaud, mais. C'est bien. Ouais, toute la route là, mais pas. Mais la vue est toujours de l'autre côté. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Là, on se prend mieux qu'on ça. Ouais, on voit mieux le. Ouais, ouais. Tracé de l'étang. Je suis vendéen d'origine. Ah, il y a du vent Moi, je suis vendéen plutôt dans les terres, donc j'ai pas subi les caprices océaniques. Ouais. Mais vous vous souvenez du vent là? Il n'y en a pas trop. Un peu, mais l'hiver, mais il n'y a pas ce vent permanent, cette brise qu'on a ici, dans un sens ou dans l'autre. Il y a des noms là-bas en Vendée? J'étais petit, donc je n'ai pas connecté tout ça. Non, j'ai pas de nom spécial. Je crois que je cherche, j'ai pas. En fait, c'est pas un élément important là-bas, c'est pas. C'est gênant, mais c'est pas. C'est par. Si vous voulez, c'est plutôt tempête, quoi. C'est bourrasque, c'est occasionnel, en fait. C'est pas permanent. Quand c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Et puis ça fait la météo, ça fait la suite. On sait comment ça bascule marin. On sait qu'on peut aller se baigner, la mer va chauffer. Quand c'est vent du nord, on sait que la mer va refroidir, quoi. Ça fait un effet de tapis, vous savez. Et donc, on va pas à la plage. Il n'y a que les touristes qui arrivent à la plage qui ont froid dans l'eau, mais nous, après, on le sait, tout ça. Et pour le vélo? Et pour le vélo, on apprend à rouler dans des sites protégés. Quand on a un vent du nord très fort, on va sur la Clap à côté de Narbonne, c'est le lieu protégé. Et le dimanche matin, il y a tous les vététistes qui sont là-bas quand il y a du vent du nord, tout le monde est. Ah, c'est-à-dire quand vous faites vos sorties, vous regardez les météos? Ah oui, s'il y a vraiment un fort vent du nord, il faut aller sur la Clap qui est complètement protégée, sur le secteur sud de la Clap, et bon, on se régale en vélo. Et dès qu'on monte un peu et qu'on prend les plateaux, c'est. Il y a du vent, quoi. C'est vraiment fort. Oui, c'est connu, mais tous les clubs du coin, ils font ça. Hein. Mais ici, en fait, en haut du village, on est protégé du vent du nord. Voilà. Donc ça fait un petit microclimat l'hiver et l'été. Et dès qu'on sort un petit peu de 100 mètres, là, on se retrouve en plein vent. Quoi. On peut être en t-shirt en plein hiver ici, et 100 mètres plus loin, avoir besoin du pull. Ou, voilà. Et après, moi, je ne suis pas de cette région initialement, mais je m'y suis habitué au vent. Et quand il n'y a pas de vent, ça me manque, en fait. C'est marrant. Hein. Il y a le Cers qui vient de là, il y a ce qu'on appelle le Narbonnais, après je ne les connais pas tous, le Marin, le Grec aussi. Le Grec, ça doit être le Cers, hein. C'est celui qui vient de l'Est. Hein. Au début ça me gênait, mais maintenant c'est vrai que ça, je m'y fais vraiment, et ça me plaît d'avoir le vent en fait, dormir les fenêtres ouvertes, sentir le vent, etc. Alors qu'au début ça me gênait beaucoup en fait. C'est-à-dire aimer, c'est comment on fait pour aimer le vent? J'aime bien avoir du vent, j'aime bien ressentir cet effet. Hein. Je suis presque à dormir avec un ventilateur, il n'y a pas de vent. Ce côté, non, j'aime bien. Ah, du coup, il y a un phénomène de manque maintenant. Ouais, c'est. J'adore, j'aime bien. Pas trop fort, mais j'aime bien ce côté air qui circule, ça rassure. Ça. Et alors là, au sommet de Montady, vous dites que le vent est amplifié, c'est ça? Le vent marin est vraiment amplifié. Ouais. On est protégé du vent du nord, on a un microclimat. Et par contre, le vent marin, bon, quand ça souffle, faut accrocher les volets. Ah. C'est vraiment la tempête. Ça passe dans toute la maison. Ouais, c'est... Vous les connaissez les noms? Vous pouvez me les citer les noms? Vous en quelques-uns. Voilà. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure le Cers, le Narbonnais, etc. Mais après, je vais dire des bêtises, donc je suis pas un spécialiste. Il y a quelqu'un qui pourrait me parler du vent que vous connaissez dans la... Oui. Et moi, je connais bien celui qui a sermenté météo dans le coin. C'est pas Michel Garcia. Il a un site internet. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Et il travaille au conseil général, mais après c'est lui qui fait le relevé météo du coin. Donc il a mis des données énormes, il a écrit un bouquin et tout, il est en train d'en écrire un deuxième, etc. Et sur la météo? Sur la météo, et c'est un passionné de météo, il est diplômé officiellement de météo. C'est lui qui fait les relevés du coin, sur l'Espignan et tout ça. Ah bah, et lui, vous en parlerez pendant des heures. Voilà. Si et bien à l'occasion, donc prochain rendez-vous, c'est avec vous et Michel Garcia. mgmeteo.fr. D'accord.